Ok, donc regardez, on va faire le calcul de l'aire du cube de sphère. Donc le cube de sphère a une ouverture dense qui est paramétrée par θ entre 0 et pi, S entre l'infini et 0, et à la fin de création, F qui envoie Sθ sur e puissance S cos θ, e puissance S sin θ, intégrale de 0 à S, racine de 1 moins e puissance 2x, dx, avec donc des bases associées pour l'espace tangente en un point paramétré par S et θ, qui sont des parties S, donc e puissance S cos θ, e puissance S sin θ, et la dérivée de ceci est racine de 1 moins e puissance de S, et d par dθ est égal à moins e puissance S cos θ, e puissance S, pardon, sin θ, cos θ, et puis 0. Et maintenant, je note que ces deux vecteurs sont orthogonaux, et donc l'élément de l'air donné par d par ds, d par dθ norme et le produit, puisqu'ils sont orthogonales, le produit des deux longueurs, qui donne 1 puissance s. Donc l'intégrale, là, c'est donc l'intégrale sur la région où θ va entre 0 et 2π, s va entre moins π et 0, de l'élément r e puissance s, ds, dθ, ce qui donne, après calcul, 2π.